Monsieur Auger, c'est un plaisir de partager ce merveilleux dîner avec vous. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. J'avais déjà commencé. J'ai commencé à avoir faim. Je vous comprends. Alors, je vais chiner à notre rencontre, à la vôtre. Au bon stimé. Nous sommes dans Montréal-Nord. En fait, c'est Montréal ici. C'est Hansik ou... C'est Hansik ici. Et c'est votre quartier? En fait, c'est le quartier que j'ai habité en arrivant à Montréal. Moi, je suis un petit gars de Shawinigan. Je suis un vrai petit gars de Shawinigan. Pas comme l'autre qui a fait sa carrière. Qui venait... pas qui vous voulez parler. Non, il venait du village à côté. Il venait du village voisin. Mais moi, ici, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vécu à Hansik. J'ai adoré ce quartier-là, la rue Fleury, Henri Bourassa. Par des formations professionnelles ou non, parce non, que non, vous non. aimez le quartier? Non, non, pas jamais le quartier. Non, mais c'est un quartier assez tranquille ici. Il n'y a pas tellement de bandits. Ça n'a pas l'air d'avoir changé. Votre métier officiellement, M. Auger, c'est quoi? Vous êtes un journaliste et votre spécialité, c'est? Oui, c'est les bandits. C'est le crime. C'est pas compliqué. Les gens disent « J'aimerais ça que tu parles de moi dans le journal. » Non, non, moi, si je parle de toi dans le journal, t'es dans le trouble. T'sais. Parce que c'est ça, les gens, des fois, il y en a qui aiment ça, t'sais, avoir un restaurateur. J'espère que vous allez parler de moi dans votre journal, puis tout ça, t'sais. Mais dans le fond, quand je parle des gens, c'est parce qu'ils sont mis dans le trouble ou ils vont être dans le trouble et ils ne savent pas encore. T'sais. Là, vous, ça vous a déjà mis dans le trouble? Parce que pour les plus jeunes qui nous regardent, vous avez déjà été attenté à votre vie? Bien, il y a 10 ans, les Hells Angels trouvaient que je parlais un peu trop. Mais pas tellement des images qu'ils aimaient. En fait, les Hells Angels, à cette époque-là, ils adoraient Claude Poirier. Et moi, quand je reliais Maurice Boucher et son groupe à des attentats, dont celui qui a tué un petit gars de 11 ans dans l'Est de Montréal, ils n'aimaient pas tellement ça. Puis avec le temps, bien, je me suis fait plusieurs ennemis, puis ils ont essayé de m'éliminer, puis ils n'ont pas réussi. Là, aujourd'hui, les Hells ont perdu des plumes un peu. Qui a pris la place? Est-ce que c'est mieux, c'est pire? C'est les gangs de rue, Les Italiens sont encore dans le jeu, même si ces jours-ci, il y a du ménage? Bien, il y a des Italiens qui sont dans le trouble. Le clan Rizzuto est dans le trouble. Mais il y a d'autres Italiens qui ont pris du terrain. Ça change peut-être de fournisseur, mais le prix des drogues n'a pas changé. Non. Donc, à ce moment-là... Qui vous informe de ça? Bien là, sur la rue, il n'y a pas de pénurie, puis il n'y a pas de... Ben, je connais des consommateurs. Ah oui? Fais mon enquête aussi. On n'aimera pas de nom, on préserve nos sources. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, non. Mais dans l'adage populaire, les gens ont dit qu'il y a une culture moins forte. On parle de l'omerta, pas parler, ou encore chez les Hells Angels, chez les groupes organisés, il y a une certaine justice quand même. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Sachez que vous n'êtes pas trop de cette... Non, parce qu'on regarde la mafia américaine. Le groupe de Montréal, la mafia montréalaise, relevait depuis longtemps d'une famille de New York, la famille Bonanno. Et il y a quelques années, tous les patrons de la famille Bonanno sont tous devenus délateurs. Donc, tu sais, c'est plus ce que c'était. Alors, je dis toujours, moi, qu'entre un bon policier et un bandit, il n'y a pas de différence, presque pas de différence, sauf une badge. Entre un journaliste et un policier, un enquêteur, un bon journaliste pourrait faire probablement un très bon enquêteur, un bon avocat aussi, dans certaines choses, pour aller fouiller les dossiers. Moi, c'est ce qui m'a passionné dans ma vie, c'est d'aller fouiller des choses. Puis plus c'était dur à trouver, plus c'était intéressant pour moi. La partie écriture puis tout ça, c'était pas mon fort. T'sais. Mes patrons, les pupitreurs disaient « Toi, Auger, tu sais pas écrire. » Ou je lui disais « De toute façon, vous savez pas lire. » Avec les titres que vous nous faites, souvent, ils faisaient des titres contraires à ce qu'on écrivait. Donc, Vous saviez peut-être pas écrire, mais vous étiez lu. Ouais, mais là, c'est déjà ça. Un avantage sur plusieurs. Une chance qu'il y avait des réviseurs. Donc, vous auriez fait un bon criminel, si je suis votre logique. Est-ce que vous avez vu le fonctionnement? Pas peut-être tellement. Que vous avez trouvé le crime parfait en utilisant les grands criminels? Non, mais en fait, moi, je suis devenu journaliste un peu un peu comme Don Quichotte, finalement, tu sais, là, de pourchasser les criminels comme ça. Là, tu sais. J'aurais peut-être fait un bon procureur de la Couronne. J'aurais eu de la difficulté en défense. Parce que ça prend des avocats de la défense, ouais. C'est sûr, ouais. Dans le système. Mais je pense pas que j'aurais fait un bon juge. Une particularité dans votre travail, c'est que si les bandits n'existeraient pas, vous n'auriez pas votre job. Moi, le crime ne paie pas, sauf pour les journalistes du fait divers. Puis moi, en plus, le fait d'avoir été tiré,
Ça n'a pas été une si mauvaise nouvelle. Ça m'a amené une carrière de télévision que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais pensé de faire de la télévision, faire des séries. Et là, vous êtes à la retraite ou qu'est-ce que vous faites? J'ai pris ma retraite il y a 4 ans du Journal de Montréal. Aujourd'hui, le Journal de Montréal n'a plus besoin de journalistes. Pelado a besoin d'argent puis a mis tous ses journalistes dehors. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que je travaille encore. Je fais le même travail ou à peu près qu'avant, mais pour beaucoup moins d'argent, parce que je suis retraité, puis j'en travaille un peu. Mais je suis vraiment sur le bord de la vraie retraite. Ma fille ne me croit pas. Exactement la même chose que sur mon lit d'hôpital, j'avais promis à ma fille que je ne recommencerais plus à parler des bandits, ni des motards, mais je n'ai pas tenu promesse. Monsieur Auger, nous avons les questions du public. Êtes-vous capable, êtes-vous prêt? Je vous écoute. Évidemment, c'est excessivement pertinent, mais ça va bien. J'espère. Judith Beaudoin, avez-vous des gardes du corps et une veste par balle? Les gens qui s'occupent de ma sécurité ne veulent pas que j'en parle. Oh! Et où sont-ils cachés? Ils sont bien cachés. David Gariepi veut savoir votre relation avec les gens qui font le même métier que vous. Comme par exemple, notre ami qui fait l'émission du matin à LCN entre 9h et 10h, pour ne pas le nommer. Claude Poirier! Oui! Est-ce que vous avez une bonne relation entre vous? En fait, donc c'est pas un... C'est pas quelqu'un que je reçois chez moi le samedi, mais j'ai d'autres bonnes relations avec les autres collègues journalistes. Mais est-ce que c'est en voie de disparition? Il va-t-il en avoir d'autres des M. Auger dans le futur ou ça disparaît, c'est fini? Oui, mais regarde, d'abord, des Claude Poirier, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça va être valeur, il n'y a pas personne qui va le remplacer. Moi, je dis effectivement, il est irremplaçable. Il est éternel, de toute façon. Il est irremplaçable. Une chance aussi. Merci, M. Auger, pour tout votre travail. Au plaisir. À bientôt.